Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Entrebonne. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de tous abonnés, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ah! Mes frères et sœurs, si vous aimez quelqu'un, que serez-vous prêt à faire pour cette personne? Ah! Que serez-vous prêt? Aimez-vous voir les gens heureux? Si toi, papa, ta fille te dit qu'elle est heureuse avec l'homme qu'elle a rencontré, qui est même prêt à l'épouser, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais c'est extraordinaire! Tu vas chercher à connaître cette personne, de la découvrir et voir qu'est-ce que cette personne apporte à ta fille au point où cette personne a rendu ta fille si heureuse. Bon, arrête à se bavarder. Vous savez que depuis de 14, nous avons tout simplement reçu une information d'une superstar de la musique ivoirienne qui a tout simplement annoncé qu'elle arrêtait la musique profane pour la musique pour la louange à Dieu tout simplement. Et comme vous savez, depuis là, des images, des vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux et apparemment, elle semble avoir trouvé la joie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons la découvrir, voir ce qui se passe concrètement et voici ce qui va le buzz sur les réseaux sociaux. C'est parti. Allons au studio. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Maintenant, nous allons voir ensemble exactement ces stars, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Regardez même ici. Comme vous voyez, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Apparemment, elle est toujours en joie. Toujours en joie. Depuis très longtemps, cette femme est en joie. Et je n'ai jamais vu une femme aussi joviale que cette femme dans le milieu du showbiz ivoirien. Franchement, c'est extraordinaire. Ici, c'est sa nouvelle vie. Elle a décidé de chanter à la gloire de Dieu et elle a commencé. Les premiers tests ont commencé. Elle essaie de se mettre en jambes et nous prions que Dieu l'aide sur ce chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'elle semble être très heureuse. Je suis heureuse. Si elle est heureuse, c'est extraordinaire. Et nous devons la suivre dans son game. Mais avant, regardez ce qui s'est passé. Ici. Voici comment elle a dit au revoir à ses fans. Et elle a tourné le dos au monde de la musique profane pour la musique à la gloire de Dieu. C'est pour ça que je suis rentré ici avec un morceau de Dieu embêté. J'ai demandé au Saint-Esprit de descendre ici. Qu'il y ait d'abord sous vous pourri. Voilà, là vous avez tout compris. Mais avant, nous allons chercher à comprendre quelle était sa vie, dans quoi elle était. Et franchement, c'est extraordinaire. Nous allons comprendre beaucoup de choses dans cette affaire. Soyez prêts, soyez même chauds. Parce que ce que nous allons même découvrir ici, ça risque de vous étonner. Comme on vous l'a dit, vous devez absolument partager cette vidéo et laisser beaucoup de j'aime pour l'encourager, franchement, l'encourager. De sorte que de passage, si elle tombe sur cette vidéo, elle puisse franchement recevoir beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Elle a besoin de beaucoup d'amour et de soutien, surtout dans ces moments-là. Et mes frères et sœurs, regardez comme elle était avant. Voilà, ça c'était sa vie. Son look, sa manière de faire, elle est extraordinaire. Comme vous voyez, c'est une femme haut de gamme. Elle est vraiment hors du commun et elle avait des amis. Malheureusement, son ami est décédé et cette affaire, franchement, l'a bouleversée. Nous tous on a vu. Même les vidéos précédentes en disent sur le sujet. Et comme vous pouvez le voir, malgré tout ça, elle fait tout ce qui est à son possible pour garder le sourire parce qu'à la base, c'est une femme vraiment très joviale. Même dans les difficultés, elle réussit à garder le sourire. Elle est extraordinaire. Comme vous voyez, elle a des amis et elle partage son bon goût de la vie à tous ses amis. Quand vous voyez une personne contente, toujours joviale comme ça, ça vous contamine et elle contamine les gens. Dieu merci, elle est venue dans le monde des chrétiens. Sans doute, elle va apporter de la joie à tous les chrétiens qui ont même perdu espoir. Franchement, tous nos regards sont tournés vers Dieu.
Et nous prions que Dieu l'utilise pour tourner le regard de toutes les personnes égarées vers leur Créateur. D'où leur viendra leur secours, car le secours nous viendra toujours de l'Éternel, celui la main qui fait notre joie. Et ici, elle est là, elle a déjà commencé. Selon les informations que nous avons reçues, voici des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, qui font même le buzz. Comme vous la voyez, elle a vraiment commencé. C'est une entrée en matière. Elle entre, elle essaie de se consacrer maintenant, elle essaie. Tout début n'est pas toujours facile, mais il faut bien commencer quelque part pour arriver loin. Écoutons et voyons ses performances. C'est pas de la blague. Comme vous voyez, elle est en train de chanter, les gens essaient de lui donner un peu de force. Voilà, c'est la joie pour tout le monde. Franchement, moi particulièrement, je suis très en joie. Je suis très content de la voir à ce niveau. C'est très bien. Voilà, elle est en joie. Oui, vous pouvez la soutenir comme vous pouvez. Lui donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, même si vous voulez, vous pouvez lui faire des offrandes, des dons, juste pour l'encourager. Voilà, c'est pas facile de venir sur le bon chemin. Le diable ne laisse baisse jamais les bras. Il souhaitera toujours venir la reprendre et la ramener sur l'autre chemin. Elle doit être forte. Ça sera maintenant là son combat. Il va falloir qu'elle aille jusqu'au bout. Ne pas revenir en arrière. Que Dieu nous donne tous la force de la soutenir sur ce chemin. Même dans le moment difficile, il faut que nous soyons tous forts. Nous devons aller plus loin. Et c'est extraordinaire. Elle est dans une église. Et déjà, on voit comment ça se passe. Vous pouvez nous dire, ah, mais donne-moi aussi la fouille aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai sauté de filmer. Donne-moi la fouille aussi. Elle est dans l'émotion, sa joie est partagée, franchement c'est extraordinaire. C'est la première vidéo du jour. Déjà elle nous communique la joie, elle nous communique le bonheur. Que Dieu lui-même envahisse notre vie à nous tous ici de joie. Voilà. Et c'est extraordinaire, c'est pas de la blague, c'est pas de la flemme. Elle est vraiment en train de chanter, en train de louer Dieu. Que Dieu l'aide encore. Que lui donne beaucoup plus de force. Vous pouvez partager cette vidéo au maximum. Vous abonner, surtout le plus important, c'est de prier pour elle. De lui donner beaucoup de soutien, vous pouvez laisser beaucoup de j'aime. Voilà. Elle est de l'émotion. Mes frères et sœurs, est-ce que ça, ce n'est pas beau ça? Est-ce que vous savez d'où elle vient? Elle vient de très loin. Voilà. C'est une bonne affaire. Les mamans, tout le monde filme. Ceux qui sont étonnés, ceux qui l'ont connu dans le passé, la revoient dans une autre dimension. Et ils se disent franchement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, on la soutient. Vous devez la soutenir. Toutes les personnes qui étaient dans le game, vous devez la soutenir, l'aider à entrer dans le game. C'est vrai qu'à l'église, tout le monde n'est pas parfait. Les sorciers même peuvent être à l'église. C'est là que nous allons prier pour elle, qu'elle ait l'esprit de discernement. Dieu lui donne beaucoup de force. Pour pouvoir surmonter aussi les difficultés de l'église. On lui dit le diable maintenant veut venir s'asseoir à l'église, mais c'est pas une chose qui va nous empêcher d'adorer Dieu comme il se doit. Tout ça c'est extraordinaire. Et les gens sont en train de danser, les jeunes gens, tout le monde danse, ça loue, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, c'est hors du commun. Et c'est une chose que nous devons partager avec vous aujourd'hui. C'est une joie qu'elle partage avec nous. Elle lui donne la bénédiction et c'est extraordinaire. Elle est en joie, c'est le plus important. Merci, c'est extraordinaire. Ah! Est-ce que vous avez vu ça? C'est extraordinaire! Wouh! Ici, on joue à moi-même. On met en joie. D'ailleurs, elle nous a communiqué même la joie ici. Si elle t'a communiqué la joie, c'est que tu as en joie, saute un peu. Yes! Vous savez, nous travaillons Dieu, notre travail, c'est de sauver les âmes. Et quand nous découvrons de telles choses, nous sommes même en joie parce que c'est une âme qui vient d'être sauvée. Ah, mes frères et sœurs, faites comme elle, on ne sait jamais. Et commencez à adorer le vrai Dieu. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Vous venez de nous réveiller. C'est parti.